prêché le 30 juin 1963. Paragraphe 214. Frère Bozé et les autres sont en train de former une église à Chicago. Ils viennent de devoir abandonner l'église de Philadelphie au profit de cette dénomination. Philadelphie. Ils parlaient maintenant de prendre un gars avec le manteau retourné comme ceci, un docteur en théologie, pour qu'il soit le pasteur. Je dis, tu fais fausse route. Si tu veux trouver un vrai pasteur pour cette église, prends un genre de petit gars humble. On n'a pas parlé gars, un nom qui peut à peine lire son nom, un petit gars et dont le cœur brûle d'ardeur pour Dieu. Alors prends ce gars là. Voilà celui que tu veux avoir. Quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces choses. Mais quelqu'un qui ne va pas donner des ordres et contraindre et vous jeter dans toutes sortes de dettes. Et tout le reste. Mais simplement un homme qui vous nourrira de la parole de Dieu. Peniel, vous me suivez? Peniel, nous nous donnons. J'ajoute encore, humilie-toi. Du 14 juillet 63. Je vous dis, il revient sur la même situation. Mais ici il éclaircit plus. L'autre jour j'ai parlé à un homme qui est en train d'organiser une église, qui s'est retiré d'une organisation où il avait été. Et il s'agit de frère Bozé. Donc ce groupe qui est sorti avec lui. Et cette église où ils avaient été, ils avaient eu cette grande église là pendant longtemps. Et le Seigneur bénissait. Et puis les gens en sont venus à vouloir se moderniser. Et comme les autres. Et s'intégrer à une organisation. À ce moment-là, ces chrétiens humbles qui étaient là, ils ne voulaient pas de ça. Toute leur vie, ils avaient reçu un enseignement contraire à ça. Alors, ils sont partis. Maintenant, ils ont un groupe. Ceux qui sont sortis là. Et le Seigneur les a bénis. Une grande église peut accueillir environ 4 ou 5 000 personnes. J'attire votre attention surtout sur la proposition et comment prophète leur conseille. 84 et 85. Ils sont venus me voir. Il disait, frère Branham, nous étions assis dans mon bureau là. Il disait l'un des conducteurs. Frère Kalisse disait, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, trouver un berger. Un homme qui n'est pas réputé dans aucune dénomination. Qui est simplement un très bon frère. Véritable. Doux. Humble. Qui mène la vie qu'il faut.
Dieu s'occupera du reste. J'ai dit un bon pasteur qui va simplement nourrir les brebis être humble et tout. Dieu fera le reste. Pas un gros je sais tout qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre, qui va être comme ceci et tout chambarder. Je dis ça ne marchera jamais. Vous avez suivi? Alors avant que je lise les écritures, parce que je les veux aussi moi-même vérifier certaines choses. J'avais parlé avec le pasteur Shindi. Parce que ceux d'ici étaient déjà favorables. Les ministres d'ici. J'ai parlé avec le pasteur Shindi. Quand je venais, j'ai demandé comment va l'église. C'est à toi que j'avais laissé l'église. Il m'a parlé. Maintenant, si l'église voulait que toi tu sois, qu'est-ce que tu dis? Cette question, comme il ne s'attendait pas, je reprends son expression Chiluba. Alors, mais si Dieu veut que s'il me choisit, je crois que Dieu conduira les choses. Je suis disposé. Mais toi, tu vas me conseiller. Alors, je ne pouvais pas dire quelque chose. Parce que c'est l'église qui demandait. Selon ce que les coups de fil que je recevais. Ça, c'était encore ce que je disais. Mais je devais vérifier par les votes de l'église. Si c'est que quelques-uns me disaient, c'était la vie de l'église. Quand je suis arrivé, je voulais rencontrer le frère Billy. Je l'avais demandé qu'il vienne avec les deux présidents du conseil des diacres. Je lui ai demandé comment tu as travaillé avec l'église. Je devais d'abord lui remercier la façon dont j'ai trouvé l'église en paix. Comme je devais aussi remercier le frère Shing. Il m'a fait son rapport. Alors, quand les deux présidents du conseil de l'administration sont sortis, nous sommes restés avec lui. Et si maintenant l'église voulait que tu sois le pasteur, qu'est-ce que tu dis? Il a dit que si l'église veut ça, et que ce soit la volonté de Dieu, je suis là pour servir le Seigneur. Je dis merci. Mais c'est l'église qui devait avoir le dernier mot. C'est ainsi que le jeudi là le soir, après la prédication, j'avais déjà demandé que les deux conseils attendent après culte pour une réunion. Nous sommes retrouvés ensemble. J'ai posé la même question, comment va l'église? Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Je lui ai rappelé comment il y a des avis sur les deux pasteurs. Qui vous encadrez? Et qu'est-ce qu'eux aussi voyaient? Si la majorité voulait qu'on ouvre le cercle, et je ne peux pas me limiter là-bas. Je suis venu chez vous le vendredi.
par les principes de la parole de Dieu. Je relis cet endroit pour rafraîchir la mémoire. Ce que le prophète a dit dans le nom de Jésus. Je vous ai lu ici. Le nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Prêché le 28 septembre 1958. Paragraphe 186. Cette église est souveraine. Il parlait de Branham Tabernacle. Mais je dis aussi, tenez tabernacle est souveraine. Il n'y a pas de comité d'administration de Dieu qui vous diront ce que vous devez faire. Cette église, par un vote de chaque membre, vous dira ce qu'il faut faire. C'est l'exacte vérité. S'il y a une décision, si on doit prendre la décision, l'église doit s'exprimer par les votes de chaque membre. C'est pourquoi je vous ai soumis les demandes individuelles que j'avais reçues. Non, j'ai dit, je vous ai présenté les demandes individuelles que j'avais reçues. Pour que je vois si c'est ça la vie de l'église. Qui était là ce jour-là? Merci. Je vous ai posé la question. On a fait sortir les ma première formulation de la question était comme celle-ci. Qui sont ceux qui étant membres de Peniel Tabernacle? Hommes ou femmes trouvent que il faut seulement les ministres de la place qu'on doit présenter pour le choix du pasteur. Nous avions eu 27 personnes. J'ai reformulé la question. Qui sont ceux qui étant membres de cette église, hommes ou femmes, trouvent que on doit élargir le cercle et on inclut ceux qui vous ont encadré. Levez la main. Presque la majorité écrasante avait levé la main. Alors c'est là que j'ai trouvé que l'église voudrait qu'on puisse élargir, inclure les autres personnes. Vous allez dire que mais ce jour on n'était pas nombreux comme nous sommes aujourd'hui. Mais écoutez, qu'est-ce qu'un membre d'une église? Comment les prophètes définissent? Placement, mise en place des diacres. C'est toujours les guides qui parlent. Hein? Mise en place des diacres. Écoutez, les prophètes disent du 20 juillet 58. Premier paragraphe. Donc d'abord mettre en place des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Il n'y a aucune dénomination. Ni rien qui envoie des diacres ici. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre en fonction ou qui sort de cette fonction. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent l'église par leur présence, leurs gîmes et leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là
qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place toi, tu es irrégulier pendant les jours. Tu ne viens que le dimanche. Alors, vous n'avez pas à dire que nous n'étions pas là. Vous devez vous aligner à la majorité. Amen. Amen. C'est ça le principe de la parole de Dieu. J'ai voulu vous éclairer dans tous ces sens. Maintenant, j'appelle le frère Ilunga Dona. Non, d'abord, attendez. Il y a deux ministres dans cette église qui ont trouvé que eux ne veulent plus. Ils reculent. Ils préfèrent rester dans les bancs et suivre la parole de Dieu. Ce frère Dadi Masala. Et le frère David Mukena, eux ont trouvé que, en tout cas, nous trouvons que nous ne pouvons pas laisser les autres. Nous devons rester. Dadi Masala ni wakunemiki ba David Mukena. Bobo ba hanga jiki ba mbani. Tujiba mwana ni tuanji tualishite tu makasahani ma. Je peux dire que Dieu les bénisse pour leur. Maintenant, ceci, comment nous allons procéder? Je vais les appeler, ils vont s'aligner ici. Je demande un diacre ici pour un diacre là-bas pour compter les voix là-bas. Notre diacre ici pour compter les voix. Jindo ambapalami. Mulami mwela ha. Wakupala minu meya go. Mulami mwa wa. Upala meya. Président répartissez. Palami ya banyaye. C'est déjà fait. Bon, donnez-moi un bic parce que je vais. Beshaye mucho wa muka. Vous viendrez me donner les résultats ici. Wa lubiheta no junu lubi ngambile no ah. Quand vous comptez. Jiba jinu junu pal. Après, vous viendrez mais donner les résultats pour chaque personne. Je garde toujours mon histoire parce que c'est mon anniversaire. C'est frère Ilunga Dona wa Joja. Mwanetu Dona Ilunga wa Joja ya wimana. Frère, merci. Frère Pierre Kamunga. Mwanetu Pierre Kamunga. Frère Crispin Mulumba. Mwanetu Crispin Mulumba. Où est-ce qu'il est? Ujukui. David Mukena a renoncé. David Mukena, uyeya, mwaru jama kasahanyo. Frère Billy Mbenga. Mwanetu Billy Mbenga. Reverend Shindi Kayoka. Wakuneme kibwa Shindi Kayoka. Voilà. Vous connaissez bien ces trois ministres de votre église. J'ai confiance en vous, église. Vous connaissez bien le pasteur Shindi Kayoka. Vous connaissez le pasteur Billy. Mais moi, je devais vérifier à partir de Luputa. Parce que je l'avais trouvé seulement le jour que votre pasteur était mort. Et nous étions tous marqués par son exposé de ce jour-là. Je suis remonté chez le pasteur Mbunda. Voilà. J'ai demandé, parlez-moi de pasteur parce que je lui avais posé des questions lui-même. Il dit, est-ce que tu sens que ta femme
toi et les enfants, ça va. Même comme vous alors j'ai voulu vérifier moi-même aussi. J'ai appelé le pasteur Lubamba. Le pasteur Lubamba. Parlez-moi de la femme du pasteur, de frère, de pasteur Billy. Il m'a parlé. Il a parlé d'un incident qui est arrivé, mais qui était passager, qui s'est passé. Alors j'ai trouvé que ça n'a pas de problème. Comme son église continue à lui faire confiance. Alors vous les connaissez bien. Il est jusqu'ici pasteur là-bas. Et il prêche au milieu de vous. Il a prêché du vivant de votre pasteur. Moi je voulais vérifier parce que je ne le connaissais pas à fond. Mais le pasteur Nshindi, je le connais. Pasteur ministre, vous les connaissez. Moi je voulais m'assurer aussi des personnes que moi-même aussi je filtre pour faire passer. Je vous lis ceci. C'est comme ce que j'avais fait à Lubumbashi. Quand j'avais amené le pasteur firmé à Lubumbashi, sa femme restait en Bujimai. Et l'église d'autre dit, mais nous ne connaissons pas sa femme. Nous ne connaissons pas ses enfants. C'est-à-dire que par le fait que vous voyez qu'il est, il était diacre tabernacle de Mbujimayi. Et que je vais le présenter comme pasteur chez vous. Sachez que si l'été gauche droite n'allait pas. C'est ainsi que par confiance ils l'ont voté pasteur. Alors il n'avait pas encore vécu avec sa femme. Et il est maintenant pasteur et sa femme est là. Billy, je vais demander quel travail tu fais là-bas. Pasteur Billy, vous m'avez dit, vous m'avez dit, comment tu penses t'organiser? S'il arrivait que l'église te votait, il m'a parlé comment il pensait. Pour eux deux, si l'église accepte, ça va. Si l'église rejette, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Alors je vous lis dans 1 Timothée chapitre 3 depuis le verset 1er. Cette parole est certaine: si quelqu'un aspire la charge d'évêque, il inspire, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que surveillant, le pasteur, tu es surveillant. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Regardez tous les quatre, les cinq. Marie d'une seule femme. Sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable.
Alors, vous avez suivi les prophètes pour le choix du pasteur et aussi dans la Bible. Frère Dona Ilunga, levez la main. Le voilà. Merci. Frère Pierre Kamunga, levez la main. Le voilà. Frère Bilimbenga, levez la main. Merci. Frère Shindika Yoka, levez la main. Frère Crispin Mulumba, levez la main. Nous commençons par Ilunga Dona. Inclinez vos têtes. Quand on dit incliner la tête, l'église doit être disciplinée, inclinée. Adjibambani, inika imitu. Ekelesia, ikala, mukmunimu, ikala mo kazamona. Ici sur le choix du pasteur. Mwaha, tuka itwenzi chisungule di ampasta. Les ministres doivent avoir la tête. Les ministres peuvent regarder. Levez-vous-même. Baishinani bini manaikulu. Nene baulu sekalo abenamu nyumbansani. Ok. Pendant que vos têtes sont inclinées. Mouchigondu chinu jibonsu ni mitu minyik. Qui sont ceux qui, hommes ou femmes? Non, je sais, je commence déjà un à un. D'abord, relevez-vous. Frère Ilunga, levez la main. Les voilà. Inclinons tous nos têtes, eux aussi. Et les concernés aussi. Ilunga, levez la main et inclinez vos têtes. Vous tous qui êtes devant. Qui sont ceux qui, étant membres de Peniel Tabernacle, hommes ou femmes, jeunes, trouvent que les frères Dona, Ilunga, méritent bien d'être pasteur de cette église? Levez la main. Et la chance à mon. Comptez. Inclinez vos têtes. Un chrétien est ordonné. Comptez le nombre et puis venez donner l'addition au président du conseil de Dieu. Bien, au diacre Livey. Ne parlez pas haute voix. Allez là-bas. Entrez là-bas. Allez donner les résultats là-bas. Et on vient me donner la suite. Relevez-vous pour que le coup ne vous fasse pas mal. En attendant, nous irons comme ça par étapes. Rapidement, s'il vous plaît, le calcul. Calculez. Donnez les résultats. Quand vous donnez, rentrez à votre place. Si vous avez donné, rentrez à votre place. Amenez-moi la totalité. Donc celui qui aura plus de voix, c'est celui-là qui sera retenu. Regagnez vos places. Donnez-moi ça, les chiffres, ne parlez pas. Inclinons nos têtes encore. Non, pardon. Dans toi là. Relevez-vous. Pierre Kamunga, levez la main. Pierre Kamunga et le Tanzamoul. Les voici. Qui Pierre Kamonge. Et les candidats inclinons nos têtes. Qui sont ceux qui, étant membres de Peniel Tabernacle, Tabernacle, hommes ou femmes, jeunes hommes ou personnes âgées, trouvent que le frère Pierre Kamunga, selon ces critères, mérite bien d'être pasteur dans cette église. Levez la main. Comptez s'il vous plaît. En silence. Venez donner les résultats au diacre. Les ministres, soyez témoins, surveillez.
qui a fini peut aller voir le diacre Eli. Vous additionnez là-bas. Merci, redressez-vous. Bimpa, bandelukai. Si vous terminez, rentrez directement à votre poste. On tout fait le bien, ou alors qu'il est hichi mon abawe. Président du conseil diacre, toi tu restes là avec le diacre Eli. Comme témoin. Pour les ministres, si vous êtes fatigué, pour vous asseoir. Ok. Frère Crispin Mulumba, levez la main. Moi, je suis Crispin Mulumba et le Chanzamoul. Les voilà. Inclinez vos têtes. Tous, même ceux qui sont des candidats. Bonsoir. Crispin, inclinez la tête. Crispin, il y a qui sont ceux qui, étant membres de Peniel Tabernacle, hommes ou femmes, âgés ou jeunes, trouvent que selon les critères, les frères Crispin Mulumba méritent bien d'être pasteur de cette église. Levez la main. Passez au comptage. Baissez la main, relevez-vous. Regagnez vos places, s'il vous plaît, vous les diacres. Balami. Ceux qui sont debout derrière là qui regardent là, ce sont les membres de l'église. Tout ça, les femmes là. Mais c'est comme vous n'inclinez pas vos têtes. Bien sûr, vous ne devez pas être là pour commencer à dire que tel n'a pas voté ici, parce que ça doit être pas possible. Quand nous sommes là, Frère Billy Mbenga, levez la main. Moi, je suis Billy Mbenga et le Chance Moul. Le voilà. Inclinez-vous. Tu n'y as pas de bon. Sachez que quand vous levez la main pour une personne, c'est tout. Manyani, vous avez le bon tout, le Chance, vous avez le bon tout. Pour lever la main, je n'ai pas encore demandé. Je n'ai pas encore demandé. Qui sont ceux qui, étant membre de Peniel Tabernacle, homme ou femme, vieux ou jeune, trouve que le frère Billy Mbenga mérite bien d'être pasteur dans cette église, levez la main. Comptez. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Bianza bikala le bilama wa papa le bim. Baissez vos mains et relevez-vous. Que Shaibianza, bandelukai.
Merci, enfin. Bim. Hachan Shindi Kayoka, levez la main. Merci. Inclinez vos têtes tous. Qui sont ceux qui, étant membres de Peniel Tabernacle, hommes ou femmes, hommes âgés ou jeunes, trouvent que le frère Shindi Kayoka mérite bien le pasteur de cette église, levez la main. Comptez. Mbadjilai. Merci, baissez la main, réveillez-vous. Ok. Bim. Voici les résultats. Il y a eu aussi des abstentions. Alors là, vous devez savoir que selon les règles du prophète, vous allez vous rallier à la majorité. Les frères Ilunga Dona ou Ajoja, 17 personnes. Frère Pierre Kamunga, 67 personnes. Frère Crispin Mulumba, 56 personnes. Frère Shindi Kayoka, 115 personnes. Frère Billy Mbenga, 365 personnes. Merci, asseyez-vous. Votre joie, sangai, sangai.
Asseyez la bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît. Non, non, bonsoir. Sombaï Hans. Merci. Écoutez. Téléjaï. Suivez s'il vous plaît. Téléjaï, même bon qu'on soit. Moi qui vous ai conduit jusqu'ici, même du monde l'homme la tourne à toi Afrique. Je déclare officiellement. Dieu Kobola. Vous voulez les lani. Par le vote de la souveraineté de Peniel Tabernacle. Oui, tu n'as pas sur la menza. Vous pouvez dire que tu vois Peniel Tabernacle. Le frère Billy Mbenga est déclaré pasteur. Suivez-moi. Téléjaï. Pasteur Billy. Pasteur Billy. Voici ton église qui t'a choisi à 100%. Voici votre pasteur. Pasteur mon travail est terminé aujourd'hui. Alors, je vais laisser au pasteur, s'il peut dire un mot pour les remerciements, qu'il parle un peu. Alors, s'il trouve que nous pouvons rentrer, moi je peux rentrer déjà demain, ça va. S'il pense qu'on peut parler avec lui, alors je peux rentrer mardi. Voilà, révérend pasteur. Bien-aimé en Christ, banang ibo balumani bagage, banang mukilisto. Je marque des mots. Miago ki ina hangi. Mais j'ai un souhait. Kaji diko ni tishin. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.
Tenons-nous seulement la main dans la main. Nos yeux fixés sur les guides. Nous entrerons. Que Dieu vous bénisse. Honorable diacre. Honorable administrateur. Et tous les frères qui servent le Seigneur. Vous avez bâti un grand travail depuis la maladie du révérend pasteur Étienne. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel était avec vous. Et je souhaiterais qu'il vous accompagne jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse richement aussi. Je remercie le Dieu du ciel d'avoir fait des grands hommes sur la terre. Il a appelé Frère Branham pour le monde entier. Mais pour nous devons dire ouvertement que Pasteur André Vibidila, c'est un don que Dieu nous a envoyé. Pasteur André Vibidila. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu puisse le revêtir encore de sagesse et d'intelligence comme Salomon. Parce que la façon dont les choses se sont passées, nous avons vu Dieu en action. Vraiment, pour le sacrifice que vous avez fait, révérend pasteur, nous n'avons rien à vous donner. Mais que le Dieu du ciel vous bénisse. Bénisse votre foyer. Il bénisse aussi Tabernacle de Mbujimaï. Pour tout le monde qui m'aime, pour tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vraiment, comme le révérend l'a dit ici, comme le révérend André l'a dit ici, il n'est pas convenable qu'il parte demain. Parce que quand vous avez amené le message au Kassai, moi je n'avais que 2 ans. J'ai encore besoin de votre sagesse et de vos expériences. Comme vous voyagez encore, laissez-moi échanger avec vous demain. Que Dieu vous bénisse.